Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que tout va bien. So, last time we took part 1, 2, 3 about the presentation. We have to present ourselves. Now we can also present our brother. So, today we will present our sister or any girl. We said before that our sister, girl, woman, she's L, L, E, double L, e L. So let's start. Allons-y. So now you have to present your sister. Maintenant, présente ta sœur. Maintenant, présente ta sœur. So, so la sœur, she's a girl, right? Uh, how can I present a girl? Mean she mean elle, elle. The boy, we said il. The, the girl, we said elle. OK? And we took first uh, le pronom, les pronoms personnels. Je, mine, I, to I will put for you, for you the link, Chom. D'accord. Elle s'appelle Mariam. Ça s'écrit M-A-R-I-A-M. Elle s'appelle Mariam. Elle s'appelle Mariam. Ça s'écrit M-A-R-I-A-M. Elle est égyptienne. N-E. Elle est égyptienne parce Elle est égyptienne. Elle a 9 ans, 9 ans. Oui, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Elle a 9 ans. Elle est née le 18 juin 2013. 18 juin 2013. Le 18 juin 2013. Elle habite. Never, 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 never say. Elle habite. Non, non, non. Elle habite au Caire. Elle habite au Caire. Elle habite au Caire. Elle est étudiante à l'école And say the name of your school or her school Elle est étudiante elle est étudiante don't forget to say the name of her school D'accord Elle apprend elle apprend le français elle apprend. She's French. Elle apprend le français. A, I, E, I, E. Le français. Le français. So elle apprend le français parce que elle parce qu'elle parce que elle veut devenir parce qu'elle veut devenir traductrice auteur. Because she's a girl. traductrice traductrice elle apprend le français parce qu'elle veut devenir traductrice traductrice sa famille her family se compose de cinq personnes sa famille se compose de cinq personnes son père sa mère sa soeur son frère. Et hein, elle. Et elle. We took if it's for and him. Et lui. For, for her. Et elle. 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 For me. Et moi. For uh, you. Et toi. Toi. Ok? Don't forget. Son plat préféré. For example. Et la pizza. Son plat préféré. Et la pizza. D'accord? Elle pratique. So, uh, let's think about another uh, game, not tennis, not football. So, uh, basket. D'accord? Basketball. So, elle pratique le basketball. We can say deux fois par semaine, trois fois par semaine, quatre fois par semaine, cinq fois par semaine. Whatever you want. D'accord? So, elle pratique, elle, Minchi, elle pratique le basketball trois fois par semaine. Trois fois par semaine. I think like that, you memorize it, right? Uh, let us read it uh, fast. Maintenant, je vous présente ma sœur. Euh, elle s'appelle Mariam. Ça s'écrit M-A-R-I-A-M. Elle est égyptienne. Elle a 9 ans, elle est née le 18 juin 2013, elle habite au Caire, elle est étudiante à l'école, school. elle apprend le français parce qu'elle veut devenir traductrice. Sa famille se compose de 5 personnes, son père, sa mère, sa sœur, son frère et elle. Euh, son plat préféré est la pizza. Elle pratique le basketball trois fois par semaine. Pendant son temps libre, euh, during the free time, pendant son temps libre, during the free time, what she has to do, during the free time, what she has to do, pendant son temps libre, elle regarde elle aime regarder la télévision. Elle aime regarder. We are, say, we are saying before she likes to watching the TV. Elle aime regarder la télévision ou ou elle euh, elle aime écouter de la musique ou écouter de la musique. So pendant son temps libre, elle aime regarder la télévision. Elle aime regarder la télévision ou écouter De la musique. In the end of any uh, presenting, we have to say au revoir et à bientôt. Au revoir et à bientôt. Okay, now we have to think what is the difference between a girl and a boy. A girl, it's elle, boy, il. Elle, 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 elle s'appelle. Elle s'appelle. If I'm presenting myself, I will say Je m'appelle. Je m'appelle. If I'm presenting him, I will say Il, I, elle. Il s'appelle. Il s'appelle. If I'm presenting a girl or a woman, a woman, I will say Elle s'appelle. Elle s'appelle. Mm. D'accord. So, Elle est égyptienne. Do you remember? Elle est égyptienne. So, Elle est Okay, if I'm saying for myself, je suis égyptienne. But he, I will say, il est égyptien. Il est égyptien. Okay, she is nine years old. Elle a neuf ans. Or, I'm um, nine years old. J'ai neuf ans. He is nine years old. Il a neuf ans. Elle est-ni, elle est-ni, elle, 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 she, elle est, ok, if I'm talking about myself, I will say, je suis, uh, if I'm talking about him, I will say, il est, d'accord, elle habite, elle habite, elle habite, ok, elle est étudiante, because she's a girl, étudiante, in the end, elle est étudiante, elle est étudiante. Elle apprend le français. Elle, elle, elle apprend le français parce qu'elle, qu'elle, elle. Again, parce qu'elle, parce qu'elle. Never we are saying elle apprend parce que je non. Elle apprend parce qu'elle. She learn French because she want to be, not me. She want to be. Okay. Sa famille, sa heur. Sa famille se compose de cinq personnes. Hmm. Son père, sa mère, sa sœur. If I'm talking about myself, I will say ma famille. M -m 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 ma famille se compose de cinq personnes. Mon père, ma mère, ma sœur. Uh, uh, ok, Madame, uh, the boy like the good. Yes. If I'm talking about he, I will say he. So sa famille, she, sa famille also, because il and elle the same thing. Okay, so sa famille se so compose de cinq personnes: son père, sa mère, sa soeur et son frère. What is the difference here? Et elle, et elle. This is the different. If she's a girl, I will say et elle and, and her. Okay, if it's a boy, do you remember? I will say, et lui, L U I, L U I, et lui, et lui, d'accord. Son plat préféré, uh, her plat that she prefers, son plat préféré. We don't have any difference between il and elle in this part, okay? Elle pratique le basketball. Uh, how many times? Okay, three times, uh, four, like once. Uh, pendant son temps libre, son, son, son. Pendant son temps libre, elle aime. Elle aime. Okay? Elle aime. If it's for me, j'aime. J'aime. Never say je aime. Non, j'aime. J'aime. Like j'aime. J'aime. If it's boy, il aime. D'accord? We said, il and elle, with verb apprendre. In the end, D only, but Je in the end, D S. Don't forget this. Also, we said verb uh, vouloir, we say Elle veut in the end t. Il veut in the end t. But with Je in the end X. Don't forget this part also. D'accord? Uh, traducteur for a man, for a boy. Traducteur for a man or for a boy. But traductrice for a girl. D'accord? Don't forget this part so now i hope you learn well everything about la présentation uh, i hope it's so easy for you right? for me if you have any concern if you have anything you didn't understand so write for me i will change it inshallah next time and uh, i want to tell you don't forget to put a like to do subscribe and to share this uh, channel because i want everyone to learn how to present himself because it's so easy so easy to present himself or to present him uh, his brother uh, his sister and so on and now it's time for telling you au revoir au revoir et à bientôt au revoir et à bientôt au revoir